j'ai apprécié. Parce que pour tenir parti, il faut abaisser, comment dirais-je, tenir parti, ce n'est pas amusant. Pour tenir parti, il faut celui qui connaît le pays, la population, et soumettre la population avant de tenir parti. Il n'y a pas d'être président d'un parti et de rester dans le coin, je suis un président. Il connaît le pays, plus que Eric Wouloté même. Moi, j'apprécie même qu'il tient même ce président. Là, le pays va avancer. Quand ils ont enlevé Wouloté en tant que président, on l'a mis, deuxième, premier vice-président du parti, on ne l'a pas chassé du parti. Wouloté n'a pas insisté de quitter le parti. Il sait qu'il faut un flambeau à la tête de ce pays. Ça arrange ce pays. Parce que Yahya Boni veut qu'on aille au dialogue. Au dialogue. Mais vous ne voulez pas qu'on aille au dialogue. Regarde, j'étais à Parakou. Tu as vu? J'étais à Parakou. Eric Wouloté, il a été président des démocrates. Et Yahya était président d'honneur. Mais le président d'honneur n'a pas le poids qu'un président du parti a. Moi, je suis démocrate. Je t'ai montré ma carte d'invitation. Non. Je suis démocrate. On a invité tous les partis, non? Tous les, même le PCB est venu. Bapalapé, ils sont là. Ils ont décortiqué la scène politique actuelle. Que c'est pas bon. Les fils du pays voulaient chasser. Le port est devenu désert. Le port est de... Tous les opérateurs économiques du Niger se sont installés au Togo. Burkinabé, au Togo, Malien, au Togo. Est-ce que notre pays peut avancer comme ça? L'objectif, c'est d'atteindre le sommet ou bien bon, sur le plan, tout ce qui ne va pas. Bon, précisément, bon, à mon avis, bon, c'est bon. Parce que Yeboni, il a tout fait pour le pays avant. Et aujourd'hui, comme il est un président de démocrate, bon, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi.